Amen. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Le but personnel de Dieu pour notre vie, afin de maintenir l'héritage. Alléluia. Amen. Dis avec moi le but. Le but. Le but personnel de Dieu pour votre vie. Le but personnel de Dieu pour ma vie. Dites à quelqu'un. Le but personnel de Dieu pour ma vie. Et dis-lui, le but personnel de Dieu pour votre vie. Le but personnel de Dieu pour votre vie. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas avoir l'héritage si vous ne connaissez pas votre héritage. La première chose, c'est connaître qu'on a l'héritage. La deuxième chose, c'est avoir la vision de l'héritage. La troisième chose, c'est le but de l'héritage. Si vous ne connaissez pas le but de l'héritage, vous allez gaspiller. Il y a bien des exemples dans la parole de Dieu. Dieu a un but. Et tout ce qu'il a fait, ce matin nous nous proposons quelques textes dans le livre de Proverbes au chapitre 19, le verset 20 à 21. Proverbes 19, le verset 20 à 21. Pour ce qui était hier, nous allons réintroduire pour que nous soyons tous dans la diapason. Ok, j'ai lu. Écoutez les conseils et reçois l'instruction afin que tu sois sage dans la suite de ta vie. Le verset 21, lisons ensemble. Lisons ensemble, vous avez votre Bible, lisez ensemble avec moi. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de quoi? Mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplisse. Dans le cœur de l'homme, il y a beaucoup de projets, mais c'est les desseins de l'Éternel qui s'accomplissent. Nous lisons encore dans Proverbes 16, le verset. Premier jusqu'au verset quatrième. Les projets que forme le cœur dépendent de qui? Mais la réponse que donne la bouche vient de qui? Toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux, mais celui qui pèse les esprits, c'est l'Éternel. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Lisez avec moi le verset quatrième. L'Éternel a pour un but, même les méchants pour le jour du mal. Le Seigneur a fait tout pour un but. Dites à quelqu'un, le Seigneur vous a créé pour un but. Et tapez la poitrine, le Seigneur m'a créé pour un but. Le Seigneur m'a créé pour un but. Et vous imaginez la plus grande tragédie dans la vie, ce n'est pas la mort, mais c'est manquer le but. Vivre sans but. Il y a les Corinthiens qui disaient, mangeons et buvons parce que nous mourrons demain. Quel était le but de leur vie? Manger et boire, et demain, ils vont mourir. Et après la mort, ils vont aller où? C'est ça le problème de la vie. Aujourd'hui, bien des personnes cherchent les réponses vers la créature au lieu de chercher la réponse au créateur, vers le créateur. C'est tourner vers le créateur qui connaît le but pour lequel vous avez été créé. C'est pourquoi il y a certaines personnes qui sont nées par hasard. Ils ont grandi par hasard, étudié par hasard, ils se sont mariés par hasard et ils mourront aussi par hasard. Et c'est ça la vie? Ça, c'est pas le but. Tout ce que Dieu fait, il le fait pour un but. Amen. Amen. La tragédie, comme je venais de dire, ce n'est pas la mort, mais une vie sans but, c'est être mort sans vie. Comme un chien.
Tous, nous avons le même sort, la mort. Mais nous n'avons pas tous la même destination. Tous, nous mourons. Mais le problème, ce n'est pas la mort, mais le problème, c'est comment mourir. Dans le cœur de l'homme, il y a beaucoup de pensées, beaucoup de projets. Comme on est là, il y a certains qui projettent le mariage. Ils prient, ils travaillent pour le mariage. Les autres projettent pour les études. Ce n'est pas mauvais de projeter, sinon nous ne sommes pas des robots. Dieu nous a créés à son image, à sa ressemblance. Et ce qui fait que nous sommes à l'image de Dieu, c'est cette volonté libre que nous jouissons de choisir. Dieu a fait toutes choses pour un but. Et avant que Dieu ne crée, avant que Dieu ne forme, comme nous avons parlé hier, il avait créé avant de former. Dieu a créé l'homme. Dieu avait l'homme en lui avant même qui ne forme l'homme. C'est-à-dire, vous étiez en Dieu avant même que vous veniez à l'existence. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Peu importe, même si vous ne connaissez pas votre papa, peu importe, même si vous ne savez pas qui est votre père, d'où vous venez, ainsi de suite, vous êtes un hasard dans la vie et on vous dit, mais tu es un bâtard. Vous n'êtes pas un bâtard. Il suffit seulement de tourner le regard vers le Créateur et vous saurez qu'il est votre Père en Jésus-Christ. Et là, votre cœur sera guéri. Pourquoi il y a des blessures aujourd'hui dans le cœur? Pourquoi il y a des suicides aujourd'hui? Pourquoi il y a des gens qui vivent et qui disent, j'en ai marre? Il y a un qui avait haï la vie. C'était un roi puissant, riche. C'est Salomon. J'ai haï ma vie. Comment quelqu'un qui avait tout dans la dimension de Salomon, et il dit à la fin, dans Ecclésiaste 2, qu'il a haï la vie. Comment? Comment? Amen. 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 Est-ce que vous avez lu ce texte? Cet homme a dit, j'ai haï la vie. Pourquoi il a haï la vie? Parce qu'il a abandonné Dieu. Il a abandonné la parole de Dieu. Et comme Dieu avait dit, que cette livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Que tu la médites jour et nuit. Afin que tu réussisses dans tous tes projets. Afin que tu aies la victoire. Mais quand tu l'as abandonné, cet homme a perdu le but. C'est ça même la définition du péché. Et le péché, par définition, ce n'est pas seulement la désobéissance à la loi de Dieu, mais le péché, par définition, c'est manquer le but. Hello? Amen. On est ensemble? Amen. Par définition, le péché, c'est quoi? C'est manquer le but. Et une vie sans but, il y a quelqu'un qui a déclaré. Une vie sans but, c'est une vie ratée. Avez-vous un but dans la vie? Et quel est le but de votre vie? C'est pourquoi il y a des gens qui sont imitateurs. Et au niveau de l'université, il y avait ce qu'on appelait l'esprit moutonnier. L'esprit moutonnier, ça dit quoi? Les moutons suivent. Ils ne connaissent même pas là où on va le traîner. Il y a l'abattoir devant, mais il est là. Il y en a combien qui ont péri? À notre époque, il y a eu certains qui ont péri, qui ont abandonné leur vie. Pourquoi? Parce qu'ils vivaient une vie sans but. Amen. 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 Alléluia. Amen. Dites à quelqu'un, avez-vous un but? Avez-vous un but? Avez-vous trouvé le but de votre vie? Parlez à quelqu'un, parlez. C'est moi qui vous dis.
Mais pourquoi vous avez peur de lui adresser la parole? Il n'est pas votre ennemi, c'est votre frère. Avez-vous un but dans votre vie? S'il n'a pas ce matin, vous allez en avoir un. Amen. Vous allez le trouver. Amen. Amen. Dieu vous avait avant même de vous faire, de vous former. Parce que le mot créer, c'est différent de former. Dieu a créé, c'est-à-dire Dieu avait l'homme. Quand tu déclaras, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Il parlait en lui-même. Ses projets, il avait en lui-même. Il n'avait pas un conseil des anges. Et quand il disait, faisons l'homme, bien entendu, c'est là que nous trouvons que Dieu, il est le seul, mais il a aussi, comme nous voyons dans le plan de la rédemption, que Dieu, il parlait en lui-même, mais il était dans une équipe, et cette équipe, c'était lui-même Dieu. Amen. 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 Dieu a commencé à nous concevoir. Il avait un but et il avait aussi des objectifs à atteindre. Et comment ramener ce qu'il pensait invisible pour que cela soit visible? C'est là que va intervenir former. Hello? Amen. Hello? Amen. Ce qu'il pensait, lui, Dieu, invisible par l'homme, par le naturel, Dieu va le ramener visible. Et c'est ce que vous êtes. C'est ce que nous sommes. Dans Genèse chapitre 2, Genèse chapitre 2, et quand Dieu a créé tout, quand Dieu a pensé, il a dit, avant de lire le chapitre 2, nous lisons le chapitre 1, le verset 26, il est dit ceci. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur le poisson de la mer. Sur les oiseaux du ciel, le bétail, sur toute la terre, et si tous les reptiles qui rampent sur la terre, Dieu le créa à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et qui? Et la femme. Waouh! C'est comme si Dieu a créé l'homme et la femme immédiatement. Vous voyez le mot créé là? Il le créa, c'est-à-dire, quand Dieu pensait l'homme, il ne le pensait pas seul. Mais il pensait l'homme avec une aide, son alter ego, son vis-à-vis. Amen. Amen. Il y a des célibataires dans cette salle. Amen. Ça dit Dieu, comme vous êtes là, il vous a créé, mais pas seul. Il vous pense avec quelqu'un d'autre. Amen. À côté Amen. De vous. Amen. Amen. Mais le problème aussi, ce n'est pas d'aller trouver dans la rue, dans les bistrots, dans la boîte de nuit. Mais il faut aller le trouver où? Il faut aller vers le Créateur. Il est où, Seigneur? C'est pourquoi Ecclésiaste va dire, ma bien-aimée se distingue entre elles toutes. Ça dit, votre bien-aimée se distingue parmi les toutes. Yes. Amen. 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 Ça dit, vous pouvez voir toutes les figures, mais il y a une seule qui va attirer vos regards. Une seule. Amen. Ce jeune homme a bien des choses dans son cœur. Et nous parlons pour toi, pour que tu ne rates pas. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend, s'il vous plaît, ce matin? Il le créa l'homme et qui est la femme. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu le bénit. Dis avec moi, Dieu le bénit. Le verset 28.
Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu le bénit. C'est que la malédiction ne sort pas de Dieu. Amen. Amen. Si vous vous trouvez aujourd'hui maudit, peut-être c'est vous-même qui pensez que vous êtes maudit. Mais Dieu, quand il a créé l'homme et la femme, j'ai dit bien créé, il le bénit. Dis avec moi, il le bénit. Et bénir quelqu'un, c'est quoi? Bénir quelqu'un, c'est lui donner de moyens, de possibilités qui lui permettent d'accomplir le dessein de Dieu dans sa vie. C'est ça, bénir. Et maudire quelqu'un, c'est quoi? Lui ôter les moyens, les capacités que cette personne ne peut plus accomplir les desseins de Dieu. C'est ça, maudire quelqu'un. Maudit, ce n'est pas seulement parce que nous avons trouvé dans les langues, vous savez, dans la théologie, on dit maudire, c'est malédictant. Mal dictant, c'est-à-dire mal parlé. Ok? Béni, c'est bénédictant, c'est-à-dire bien parlé. Comme la Bible nous dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Celui qui l'aime, on mangera les fruits. Il est vrai. Mais la bouche parle par quoi? Par l'abondance du cœur. Quand quelqu'un maudit, son cœur à lui-même est maudit. Amen. Amen. My God. Quand vous écoutez quelqu'un maudire les gens, c'est que lui-même est comment? Il est maudit. Parce que la bouche parle par l'abondance du cœur. C'est pourquoi la Bible nous dit que la parole du Seigneur habite en vous abondamment. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Que la parole du Seigneur habite en vous abondamment. Et quand la parole du Seigneur habite en nous abondamment, tout ce que nous dirons, tout ce que nous parlerons, vient de cette source intarissable de la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Dans la bouche de celui qui a Dieu, parce que c'est là que parle Jacques, dans une seule bouche, il ne peut y avoir, dans une même source, l'eau amère et l'eau douce. Dans la bouche d'une personne, il ne peut y avoir la malédiction et la bénédiction. C'est-à-dire, lorsque vous parlez des insanités dans votre bouche, c'est ce que vous êtes dans votre cœur. Hello? Amen. Si vous parlez de la frivolité, frivole, dans votre bouche, c'est ce que vous êtes dans votre cœur. Pas autre chose que ça. C'est pourquoi la Bible nous dit que nos paroles soient saisonnées du sel et accompagnées de grâce. Amen. Amen. Dieu les bénit. Amen. Il y a quelqu'un qui se sent ce matin maudit, mais Dieu avait béni. Yes. Ces jours-là, Dieu a béni. Et lorsque vous connaissez le but de Dieu, et lorsque vous arrivez à saisir le plan de Dieu, le dessein de Dieu dans votre vie, vous ne vous trouverez pas, même si on vous dit que votre famille est maudite, personne ne peut réussir, vous serez le premier à réussir. Amen. 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 Est-ce que quelqu'un m'entend, s'il vous plaît? Amen. Vous serez le premier à réussir dans la vie. C'est lui qui vous parle avait connu l'enfance de troubles. Pourquoi? Parce que lorsqu'un père n'est plus là, vous savez ce qui se passe. Lorsque papa n'est pas là, en 59, à 4 ans seulement, notre père est mort. Mais comment on a grandi? Très difficile. On a vivoté. Qui pouvait nous prendre en charge? Gloire soit rendue à Dieu. Je suis en train de voir mon neveu qui est là. Le gars qui est là, brun, là, à côté, là.
C'est mon neveu, c'est lui-là. C'est Nguila. Voilà, je l'ai reconnu. Oui, c'est mon neveu. Ou bien c'est mon frère, parce que son père, c'est mon oncle. Mais c'est Dieu-là. Il ne nous a pas oubliés. Un jour, notre maman nous disait, même si votre père était vivant, il ne saurait pas satisfaire à tous vos besoins. Mais si vous avez Dieu comme père, celui qui est le père des orphelins, le défenseur de la veuve, il vous prendra en charge. C'est ce que Dieu a fait. Notre papa qui n'a même pas traversé là où il était, il n'a vu aucun pays, sinon son pays seulement. Mais aujourd'hui, son fils, lorsque vous allez ailleurs, vous trouverez le nom de son fils. Si tous les 5 continents, son fils a été même dans les îles des Caraïbes, même dans les Fidji, son fils a été. Et lorsqu'aujourd'hui on appelle Sembe, oh, quelque part, oh, un Sembe, waouh, mais Sembe est enterré au village. J'ai dit à quelqu'un ce matin, même si dans votre famille, personne n'a reçu, soit le premier à reçu. Amen. Si vous connaissez le but de Dieu, soyez le premier à reçu. Et la réussite, ce n'est pas l'or et l'argent. La réussite, c'est connaître le but pour lequel vous avez été créé. Hello? Amen. Hello? Amen. On est ensemble avec vous? Amen. Dieu le bénit et il dit, soyez féconds. Multipliez. Il n'a pas dit multipliez-vous. Mais multiplier. Multiplier quoi? Il n'a pas dit multipliez-vous. Ah, même si on dit que c'est toujours les Africains, mais ce n'est pas seulement les Africains, mais il y a les autres qui ont des maîtresses. Ce n'est pas vrai ça? Non, non. Ça c'est ce qu'on appelle le racisme, comment? Biologie ou quoi, je ne sais pas. Cette passion de se multiplier, vous, et dans tout le monde. Parce que nous voyons partout, vous allez apprendre que celui-là, il est président, celui-là, il est ministre, mais il a une maîtresse, cette maîtresse lui a fait des enfants. Amen. Ça dit, il a ajouté vous. Or, Dieu avait dit seulement, multipliez. Multipliez votre intelligence. Multipliez votre potentiel. Multipliez vos capacités. Dis avec moi, multipliez. Dis avec quelqu'un, multipliez. Tapez quelqu'un en dos, multipliez mon frère. Multipliez. Si je ne pouvais pas me multiplier, je ne serais pas devant vous aujourd'hui. Quoi qu'il y a l'appel de Dieu. Mais vous savez que l'Esprit du Seigneur, sans la parole, conduit au fanatisme spirituel. Et la parole du Seigneur, sans l'esprit, conduit au formalisme. Il faut un équilibre. Amen. 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 C'est pourquoi il y a des fanatiques spirituels. Ils ont quelqu'un qui puise dans une citerne crevachée des démons et on lui appelle prophète. Comme chez nous, il y en a plusieurs. Je ne sais pas chez vous ici en Europe, mais chez nous, il y en a plusieurs. Même qui peut connaître combien de concurrents qui sont dans ta chambre. C'est pourquoi l'ignorance a amené les gens à l'hibernation. À l'hibernation. Amen. 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 Le but, c'est quoi? C'est le dessein de Dieu. C'est le dessein de Dieu qui s'accomplisse. C'est la volonté de Dieu qui s'accomplisse. Éphésiens, je suis en train de lire avec... Ok, je disais former. Regarde maintenant le mot former. Quand est-ce que Dieu... C'est pour voir que lorsque vous lisez la Bible, prenez le chapitre 1er et le chapitre 2. Ça, c'est le plan de Dieu. Amen. Mais le chapitre 3,
Ça, c'est le dérapage des hommes. À partir du chapitre 3 jusqu'à la venue de Christ, c'est le dérapage des hommes et le Dieu qui chercha des possibilités pour sauver l'homme, pour ramener l'homme encore à lui. Amen. Amen. Genèse chapitre 1er, la Bible nous dit que Dieu termine sa création en disant ceci, 31, Dieu vit que tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était comment? Très bon. Pas bon, mais très. C'est le superlatif. Très bon. Dis avec moi, très bon. Très bon. C'est-à-dire, s'il y a des choses mauvaises dans ta vie, ce n'est pas Dieu. Ok, quelqu'un m'entend ce matin? Amen. Si tout ne marche pas dans ta vie, il ne faut pas dire que c'est Dieu. Pourquoi? C'est ce que nous écoutons. Non, non, si Dieu savait, nous ne pouvons pas connaître ce que nous savons. Mais vous savez, c'est dans ces mêmes pays qu'un jour, à cause de la raison, la Révolution française, en 1700, a écarté Dieu dans tous les domaines. Dans l'école, on ne peut pas parler Dieu. Dans les institutions, on ne peut pas parler Dieu. Il y avait autrefois, ici en France, deux facultés seulement à l'université. C'était la psychologie et la théologie. Les autres facultés se sont ajoutées après. Mais on a écarté Dieu partout, à cause du Dieu de la raison. Et ces dieux de la raison, ils ont écrit même un livre qu'on appelle le diable rouge. Le dragon rouge. Et le dragon rouge, c'est qui? C'est celui qui est écrit dans Apocalypse, chapitre 12. Celui qui voulait dévorer la femme. Et qu'est-ce que le dragon, lorsqu'il vient, le dragon rouge, quand il vient, qu'est-ce qu'il fait? Il ne vient que pour tuer, pour égorger. Depuis 7 ans, depuis 1700, maintenant ce dragon rouge a grandi et il veut accomplir son travail. C'est ce qu'il est en train de faire maintenant. Frère, lorsque vous vous écartez de Dieu dans votre vie, ne demandez pas Dieu, ne rendez pas Dieu responsable dans vos échecs, même dans la mort. Dieu n'est pas responsable. Parce que Dieu n'est pas l'auteur de la mort, il est l'auteur de la vie. Amen. 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 Est-ce que quelqu'un m'entend, s'il vous plaît? Amen. Regarde ce qui se passe aujourd'hui partout. Et même les pays africains commencent à imiter ça. Ils ont écarté Dieu au détriment des révolutions. On a connu cela. Même dans notre nation, à nous, le retour à l'authenticité, le recours à l'authenticité. C'est-à-dire, on pouvait s'habiller avec des raffias. Mais ils ont dit, non, non, comme nous ne pouvons pas nous habiller avec des raffias, si nous disons recours, c'est-à-dire nous allons rentrer dans l'Antiquité, il faut dire retour. Pas retour, mais recours. Ça change quoi? On a écarté seulement Dieu. Et quand on a écarté Dieu, on a élevé l'homme, comme Dieu ne partage pas sa gloire avec un homme, Dieu a dit, Dieu les a livrés à tout ce que nous connaissons aujourd'hui. Amen. 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 Dis le but de Dieu pour votre vie. Dis à quelqu'un. Le but de Dieu pour votre vie. C'est Dieu s'était proposé lui-même dans Éphésiens, le chapitre 1, verset 9. Éphésiens, chapitre 1er, je lis d'abord le verset 3e d'Éphésiens. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ. Béni soit Dieu qui nous a bénis, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles où? Dans les lieux célestes. En qui? En Christ. En Christ. En
Pourquoi ça commence? Par une bénédiction spirituelle. Parce que c'est le spirituel qui appelle le matériel. Amen. 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 C'est Dieu lui-même qui a créé l'homme spirituellement avant qu'il matérialise l'homme. Béni soit Dieu qui nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ. Ces bénédictions sont en Christ. Ce n'est pas dans une religion. La religion n'est pas Dieu et Dieu n'est pas dans la religion. Dieu est dans sa parole. Amen, amen. Quelqu'un m'entend ce matin? Amen. Dieu est dans sa parole. Dites à quelqu'un, Dieu est dans sa parole. Dieu est dans sa parole. Dans cette constitution du royaume de Dieu, la parole de Dieu. Amen. Cherchez à calquer votre vie, à modeler votre vie selon cette constitution. Dieu. Et il dit au verset 9e d'Éphésiens, le chapitre 1er. Nous faisons connaître le mystère de sa volonté. C'est pourquoi le but veut dire la volonté de Dieu. Ok? Amen. Le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé avec un comité, non. Avec un parlement, non. Avec un sénat, non. Mais il avait formé en qui? En lui-même. Si Dieu avait formé ses projets pour vous créer en lui-même, pour que quelqu'un décide de votre vie, il doit aller chez Dieu. Pour changer. Il doit aller chez Dieu pour changer votre destinée. C'est ça, ce que la Bible veut dire. Mais le but, c'est quoi? Le but, non pas seulement la volonté de Dieu, mais c'est aussi les conseils de Dieu, le décret de Dieu. C'est le but. Amen. Amen. Dieu a une réunion avant même qu'il ne nous crée. Et Dieu s'est proposé lui-même. Qu'est-ce qu'il a déclaré? Tout était en Dieu et vous n'êtes pas le produit du hasard. Connaître le but de la vie avant même de planifier votre vie. C'est pourquoi ne formez pas de projet d'abord. Mais connaissez d'abord le but avant de planifier. Il y en a plusieurs qui planifient sans connaître. C'est pourquoi il est dit, il ne faut pas dire, demain je ferai ceci, ou je ferai cela. Mais vous devriez dire plutôt, si Dieu le veut. Combien de personnes qui ont formé des projets et qui sont déçus aujourd'hui dans leur vie. Un, écrivez comme vous avez écrit hier. Le but est plus important que la planification et le projet. Nous puissions les consulter avant de planifier. Quel est le but que Dieu nous a assigné dans la vie? Il y a certaines personnes qui sont trop actives, mais peu effectives. Trop actives, mais peu effectives. C'est pourquoi vous vous réveillez tôt, vous vous couchez tard. Mais lorsque la Bible nous dit que Dieu donne à ses bien-aimés pendant qu'ils dorment, cela ne veut pas dire que vous allez dormir pour que Dieu te donne. Il y a certains qui ont vu ces versets. Non, non, ce n'est pas bien de vous lever tôt, de vous coucher tard pour chercher votre pain. Mais Dieu donne à ses bien-aimés pendant qu'ils dorment. Mais ils ont fini à dormir. Et tout ce qu'ils avaient besoin est venu. Ça, c'est la stupidité. Parce que Dieu avait créé le travail avant le péché. Dieu a placé Adam et Ève dans le jardin d'Éden pour cultiver et pour garder. C'est-à-dire le travail, ce n'est pas une corvée.
Le travail, ce n'est pas la conséquence du péché. Le travail, c'est une institution de Dieu. Il y a certaines personnes qui disent, voilà, Dieu a dit, tu mangeras la cire de ton front. Jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été tiré. Ouais. Ça, c'est la conséquence. Mais lorsque Adam travaillait, il y a une différence. En anglais, c'est bon. Entre job et business. Hein? The work. Job and the work. Voilà. Ce sont les deux concepts différents. Le job, c'est un effort. Mais le work, ce que vous faites là, c'est une partie de vous-même. Amen. 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 L'autre, vous attendez un salaire. À la fin du mois, vous avez investi votre temps, vous avez investi votre intelligence. À la fin du mois, on te donne des billets de banque. Mais le travail, c'est ce que vous faites. C'est ce que vous êtes. Et nous, nous sommes le résultat du travail. Dans Ésaïe 53, il est dit, à cause du travail de son âme. À cause du travail. Il n'est pas dit à cause du job de son âme. Mais à cause du travail de son âme, mon juste justifiera un grand nombre. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous faites quoi? Demande quelqu'un. Vous faites quoi? Job? Ou vous travaillez? C'est pourquoi la Bible nous dit que dans votre travail, ce que vous faites, faites-le quand vous travaillez pour le Seigneur et non pas pour les hommes. Amen. Amen. Même si votre patron est méchant, mais il est devant un prince qui travaille, faites votre travail. Amen. Ne soyez pas frustrés. Même s'il est occulte. Hein, il ne faut pas dire, non, cet occulte-là, il me fait ceci. Non, non, quel est l'occulte? La Bible nous dit que l'occultisme ne peut rien contre son peuple. La divination ne peut rien contre nous. Amen. Amen. Même que vous soyez au milieu de méchants, travaillez comme si vous travaillez pour le Seigneur et non pas pour les hommes. Amen. Là, vous êtes bénis. Amen. Amen. C'est pourquoi je disais, le but est plus important. Le but est plus important. Et toutes les stratégies comme méthode que nous pouvons accomplir, ne cherchez pas des stratégies d'abord, des méthodes d'abord. Pourquoi les gens ont échoué aujourd'hui? Pourquoi? Parce qu'ils cherchent d'abord des stratégies. Nous allons chercher des stratégies pour voir. Mais comme ils n'avaient pas de but, ils ont échoué en chemin. Deuxièmement, le but est plus puissant que le plan, que le projet. Pourquoi je suis né et pourquoi Dieu nous a créés? Nous ne serions jamais complexés si nous connaissons le but de Dieu. Je suis parfait pour le but que Dieu m'a créé. Amen. Amen. Être noir ou être blanc, importe peu. C'est pourquoi Jésus-Christ, il pouvait être blanc, il pouvait être africain, asiatique. Vous savez que Jésus-Christ ne s'est pas réclamé de sa nationalité. Il n'a jamais dit ça. Pour une fois, il a dit seulement le salut vient des Juifs. Mais il n'a jamais dit qu'il était juif. Ok? Parce qu'il n'est pas venu seulement sauver les Juifs, mais il est venu sauver l'humanité. Amen, amen, amen. Vous êtes avec moi, c'est ça. Il ne s'est pas réclamé. Le problème, ce n'est pas non, non, vous savez. C'est pourquoi même si vous vous réclamez de cette nationalité, on dira toujours, il est français, mais d'origine. You hear me? Amen. Il est américain, mais d'origine. On va vous coller toujours votre origine. Mais si vous savez que votre origine est le ciel, amen, c'est Dieu qui vous a créé. Vous ne serez pas complexé. Amen. 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 Même à l'école où vous êtes avec les autres, où vous étudiez avec les autres, le problème, ce n'est pas la couleur de la peau,
Et le problème, c'est le sang qui coule. Le sang, on a combien de couleurs? Et la peau, la terre, on a combien de couleurs? Plusieurs couleurs. Le but, ce n'est pas ma couleur de la peau, mais ce que j'ai là dans la tête. Amen. Et ce que je suis devenu en Christ. C'est pourquoi soyez libre là que vous êtes. Dites à quelqu'un, soyez libre là que vous êtes. C'est pourquoi le Seigneur a dit à son peuple, là où je vous ai amené en déportation, priez pour le bien de cette nation-là, parce que votre bonheur en dépend. Amen. Mariez-vous, multipliez-vous, soyez prospères dans cette nation. Regarde Israël, ils étaient prospères en Égypte. Même Pharaon a reconnu qu'ils étaient puissants. Amen. Aujourd'hui, pourquoi il y a la terreur en Europe aujourd'hui? Parce qu'il y a les autres qui sont devenus puissants. Ils influencent même l'État. Regarde ici, nous sommes confinés dans une salle. Est-ce que vous avez des subsides? Mais les autres en ont. On peut même leur donner des terres. Symbolique avec, je ne sais pas si c'est 5 euros ou 10 euros. Dites à quelqu'un, influencer. Et vous ne pouvez pas influencer à moins que vous ne connaissiez le but pour lequel vous avez été créé. Amen. Amen. Passez du temps sur le contexte que sur le contenu. Il y a bien des gens qui passent leur temps seulement à discuter. Votre travail ne sera pas une corvée, comme je disais. Jésus n'a jamais appelé ce qu'il faisait un emploi, mais un travail. Qu'est-ce qu'il a dit? Il faut que je m'occupe des affaires de mon Père. L'emploi et le travail. Vous êtes employé? Mon travail. Regardez le Christ. Dans Jean 4, il me reste un point et nous allons prier ce matin. Je crois que vous allez rentrer à la maison transformé. Dites à quelqu'un, tu vas rentrer à la maison une autre personne. Et vous allez aborder la vie avec confiance. Jean 4. Ici, c'est l'histoire avec la femme samaritaine. Dans Jean 4, à partir du verset 27. Là-dessus, ses disciples furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Vous savez, c'est un problème pour nous, les pasteurs. Si on vous voit parler avec une femme, il y a des gens qui ne pensent que lorsque vous parlez une femme, c'est le sexe, pas autre chose. Ça, c'est malade. Et si vous pensez seulement dans la femme, il y a seulement ce que vous cherchez là. Non, elle est plus que ça. C'est pourquoi vous qui me regardez, mes sœurs, il ne faut pas qu'une personne te considère par rapport à ce qu'il cherche là. Mais qui te considère parce que vous êtes... Vous avez la tête. Amen. 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 Même les disciples de Christ, ils étaient étonnés. Est-ce que c'est mauvais de parler avec une femme? C'est-à-dire, les femmes étaient écartées. Comme chez nous, il y a certains animaux que les femmes ne mangent pas. Pourquoi on savait que c'est succulent et les hommes ont écarté les femmes qui ne mangent pas? Prépare-lui pour lui seulement. Certains poissons où la femme ne mangeait pas. Mais gloire à Dieu parce que maintenant elle commence à manger. Amen. Et les disciples ont dit, toutefois, aucun ne dit, que demandes-tu? Ou de quoi parles-tu avec elle? Aucun. Il murmurait seulement. Ça, c'est propre à l'homme. Mais pourquoi il est là très longtemps avec cette sœur? Alors la femme
ayant laissé sa criche, elle a couru. Mais le Christ va dire ceci. Venez voir un homme qui m'a dit ce que je fais. Je serai. Il va dire, ne serait-ce point le Christ? Il sortit de la ville et arrivait là où était le Christ. Les disciples disaient, verset 33, donc les uns les autres, quelqu'un lui aurait apporté à manger. Quelqu'un lui aurait apporté à manger. C'est-à-dire, il soupçonnait cette femme si lui a apporté à manger. Jésus leur dit, lisez avec moi, ma nourriture. Oh, lisez à haute voix avec moi. Ma nourriture. Et de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Et d'accomplir. Amen. Ma nourriture. Lorsque vous trouvez le but devient votre nourriture. Vous ne dormez qu'avec ça. Vous ne vous réveillez qu'avec ça. Amen. Avec ce but que vous poursuivez. Ma nourriture. Comme hier, nous avons mangé à la maison, là, ma fille, elle s'est très bien cuisinée. Hein. La semoule avec tout ce qu'il y a là-bas, je voulais même manger avec les mains. Parce qu'il y a les autres qui pensent que lorsque vous mangez avec... Il y a quelqu'un à l'université, là où nous étions, à la faculté, il y a un professeur qui a invité un étudiant. Et il lui a dit, bon, ici il y a des fourchettes. L'étudiant a dit, je vais laver les mains, je vais manger avec les mains. Et le professeur, comme il était notre frère, il est notre frère, de l'autre côté, il a dit, mais il y a des fourchettes, pourquoi tu manges à la main? Pourquoi tu es archaïque comme ça? Il a dit, moi quand je mange avec mes doigts, c'est mes propres doigts qui entrent dans la bouche. Mais toi, vos fourchettes là, il y a combien de personnes qui mangent? Amen. Amen. C'est ce que vous pensez. Mais Jésus disait, ma nourriture. Dis avec moi, ma nourriture. Ma nourriture. Lorsque vous trouvez le but pour lequel, ma nourriture, c'est ce qui fait moi. C'est ce que nous mangeons qui fait nous. Amen. Amen. C'est ce que nous avons mangé. Il y a une partie qui est allée quelque part et une autre partie est entrée dans le cycle gastrique. Ça a été broyé. Et l'autre partie est allée dans les lieux secrets. Mais l'autre partie qui est restée, qui contenait le calcium, le quoi que ce soit, les vitamines, les docteurs sont là. C'est ce qui constitue moi maintenant. Amen. Ça dit le but fera de vous une nourriture. Amen. C'est ce qui me fortifie. C'est ce qui m'encourage. Je peux aller, même sans quelqu'un, sans ami, mais je peux aller. C'est pourquoi le Christ a dit, il arrivera un jour où tout le monde m'abandonnera, mais je ne serai pas seul. Le Père serait avec moi. Alléluia. Le Père serait avec qui? Avec moi. Il arrivera un jour, même les amis deviendront des ennemis. Parce que vous avez un but. Et si vous pensez à votre emploi, notre préoccupation devient une occupation. C'est pourquoi, un jour, Joseph a amené ses frères vers Pharaon. Il a dit, si Pharaon vous demande, pas votre préoccupation. Votre préoccupation, c'est la faim. Parce que vous venez là pour chercher à manger. Mais si Pharaon vous demande, quelle est votre occupation? Vous voyez, il y a une différence entre préoccupation et occupation. Souvent, nous nous limitons dans notre préoccupation. Mais nous oublions notre occupation. Troisièmement, le but précède le projet. Le but prévaut plus que les projets. La volonté de Dieu, c'est son but, créé pour un but précis, son décret. Le but
c'est l'intention originelle de Dieu. La raison de son intention. Dieu décide ce qu'il veut faire d'abord, après il crée pour l'accomplir. Il ne vivait pas par hasard. Le Christ savait, c'est pourquoi un jour, il a levé ses yeux vers Jérusalem. Pierre lui a dit, « Seigneur, que cela ne t'arrive. Pourquoi tu veux monter à Jérusalem? Pourquoi tu veux aller mourir ?» Il a dit, « Arrière de moi, Satan, tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Parce que je suis venu pour ce but-là. » Amen. Des fois, il faut écarter certains amis dans vos relations. Certains amis deviennent des pesanteurs. Certaines personnes deviennent comme des gangrènes, comme des tumeurs. Il faut les écarter. Amen. Dites à quelqu'un, écartez certaines personnes. Écartez certaines personnes sur votre chemin. Même si cet homme venait et te dit, « Ah non, non, sans toi, je vais mourir. » Tu dis, « Tu n'es qu'un menteur. » Parce que le jour où je mourrai, tu vas me jeter des fleurs seulement. Et tu vas rentrer, tu vas prendre une autre femme. Mais il y a les autres qui viendront parce qu'ils vous aiment. C'est pourquoi il ne faut pas aller dire, « Non, non, pasteur, le pasteur m'a dit que... » Ah non, 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 je n'ai pas dit ça. Tous ceux qui viennent là, c'est pourquoi tout ce qui brille n'est pas de l'or. Mais toutes portes qui s'ouvrent devant vous ne sont pas les portes de Dieu. Vous devez discerner les portes de Dieu. Amen. Amen. Je vais terminer ici, dans Éphésiens chapitre 2. Le but, c'est faire non seulement ce qui est bon, mais ce qui est correct pour vous. Éphésiens, le chapitre 2, verset 10. Pour accomplir le but de Dieu, Éphésiens 2, verset 10, nous voulons lire ensemble. On y va, ensemble? Car nous sommes son ouvrage et a été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Amen. En Jésus-Christ, nous revenons dans le but de Dieu. C'est en Christ seul que nous pouvons revenir dans le but que Dieu nous a créé. Pour ses œuvres qu'il avait préparées d'avance. Il y a des choses que Dieu a préparées pour vous. Amen. D'avance. Ouvrage de Dieu ayant été créé en Christ. Cela veut dire que Dieu va ramener tous les hommes dans la poussière de la terre et recréer les gens. C'est pourquoi la Bible nous dit que Dieu crée, il créa par la parole. Amen. Il créa par quoi? Par la parole. Et lorsque nous recevons cette parole, il a dit, en elle était la vie. La vie était la lumière des hommes. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Et à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Lesquels sont nés non de la volonté, c'est-à-dire non pas du but de la chair, non pas de la volonté de la chair, mais de la volonté de qui? De Dieu. C'est-à-dire en Christ, vous trouvez le but de votre existence. Est-ce que quelqu'un m'entend, s'il vous plaît? En dehors de Christ. Vous pouvez me dire, mais les Bill Gates et les autres, ils réussissent, vous savez, c'est un mormon. Il est dans l'église des saints des derniers jours. Bill Gates.
Mais je crois qu'il a trouvé, malgré sa religion. Et lorsque vous considérez dans le monde aujourd'hui, frères et sœurs, c'est nous, les enfants de Dieu, qui sommes plus médiocres. Parce que l'ignorance de ses buts nous conduit au vagabondage, nous conduit aux distractions. Ne pas découvrir ce but-là vous ramène à vivre une vie sans vie. C'est-à-dire, vous existez sans vie. C'est-à-dire, vous pouvez réussir dans la vie sans réussir sa vie. Parce que Christ, c'est la vie. Amen. Celui qui a le Christ a la vie. Amen. Celui qui n'a pas Christ n'a pas la vie. Amen. Vous avez une existence, mais vous n'avez pas la vie. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Nous voulons prier ce matin. C'est pourquoi Paul a dit, je cours vers le but. Je cours vers le but. Ce matin, nous inclinons nos têtes. Quel est le but de votre existence? Paul a dit, les choses qui étaient pour moi des gains, je les ai considérées comme une perte à cause de ces buts-là. Moi qui suis pharisien, né hébreu, docteur de la loi, mais des choses qui étaient pour moi un gain, je les ai considérées comme une perte. À cause de la découverte, à cause de l'excellente connaissance de mon Seigneur Jésus-Christ. Excellente connaissance. La connaissance, dis avec moi, connaissance. Connaissance. De Christ Jésus, mon Seigneur. Et cette connaissance peut faire, frères et sœurs, que vous ayez une vision nouvelle de votre vie. Et dans cette vision nouvelle de votre vie, vous ayez un but aussi de ce que vous allez accomplir. Que le Seigneur vous fasse grâce ce matin. Même si vous avez raté quelque chose, les hommes vous ont rejeté, mais Dieu ne vous rejettera jamais. Vous avez été déçu dans votre cœur par des hommes, par des amis, par des femmes. Mais celui-là ne te décevra jamais. Il veut vous transformer. Il veut vous sauver. Il veut vous donner une nouvelle existence. C'est pourquoi il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il connaît votre passé que vous rechassez dans votre cœur. Il connaît aussi votre présent et il connaît votre futur. Il peut prendre ce qui était dans le passé, effacer cela par son sang et de vous donner une page nouvelle. Alléluia. Alléluia. Chacun de nous, là où il a un besoin. Et nous voulons nous lever ensemble et lever nos mains pour dire au Seigneur, maintenant que je connais le but pour lequel je t'ai créé, Satan, Satan, tu n'es pas capable. Je ne serai plus ton sujet. Je ne serai plus ton instrument pour accomplir tes volontés à toi, mais pour accomplir les desseins de Dieu.
Ensemble, levons-nous et nous allons déclarer ceci. Déclarons ceci. Père Céleste, à haute voix, Père Céleste, je reconnais que j'ai été créé pour un but. Mais j'ai dirigé ma propre vie selon ma volonté. Les conséquences que j'ai obtenues sont des déceptions, découragement, la haine. Et cela hante mon cœur. Et détruit ma destinée. Mais ce matin, j'ai compris que en toi, Jésus-Christ, je suis récréé. Comme un ouvrage. Nouveau. Et celui qui connaît la valeur d'un ouvrage, c'est celui qui l'a fabriqué. Mais tu ne m'as pas fabriqué, tu m'as créé à ton image et à ta ressemblance. Ce matin, ma vie est différente à cause de cette connaissance. De la vision et du but que j'ai trouvé pour entrer dans mon héritage spirituel, matériel, financier, intellectuel, relationnel. Je te bénis, Seigneur. L'ennemi n'a pas autorité sur moi. Car la Bible déclare, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Et par les paroles de leur témoignage, je déclare, comme l'apôtre Paul a dit, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. J'ai cru, c'est pourquoi je déclare ma liberté, spirituelle, le monde des ténèbres. Les démons, l'occultisme, la sorcellerie, l'envoûtement, les distractions, les plaisirs du monde. Je renonce à cela. Je vais marcher avec toi. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Là où il y a ton esprit, c'est là où il y a la liberté. Remplis-moi de ton esprit. Pour que je vive la plénitude de ta présence. Que je sois le reflet de ta personne dans ma famille, dans cette nation. Merci Seigneur. Ma geste. Sa grâce m'a trouvé tel que je suis, sans valeur, mais vivant entre tes mains. Majesté. Sa grâce m'a trouvé ce que je suis. Sans valeur, mais vivant entre tes mains. Levons-nous là que nous sommes.